Et nous disons bon Dieu merci, matin pour grâce et miséricorde. Li. On a salué tout le monde qui est sur la ligne ça. Et nous comptons pour nous capables ensemble. C'est une grande opportunité et privilège que bon Dieu bat nous pour nous capables de parler par lui. Donc, dans moi, ça, nous connaissons parler de la vie éternelle. De la vie éternelle. Et bien, matin, m'a invité nous pour nous penser sur le thème ça qui est en dedans que sont la vie éternelle. C'est la plus grande découverte de tous les temps. La plus grande découverte de tous les temps. Amen. Découverte qui pas de chambre l'autre qui comme ça et pas de chambre l'autre encore. Nous-mêmes qui vivons dans le siècle, nous avons un pile de bagages que la science a fait. Nous avons qui sont Internet, sont merveilles. Regardez qui j'en nous chita la caille nous et puis nous reconnecter et nous mettre à travers le monde. Et le monde sont une petite planète, une planète. Et nous connaissons qu'il y a avancée technologique qui fait la question d'aller dans l'espace. Et actuellement, nous connaissons un Français qui c'est Thomas Pesquet, monsieur, qui a un bon temps là, il a vivre sur nos têtes. Donc, avec un appareil que l'homme rêvait, penser dans l'imagination, dans l'intelligence, bon Dieu, pour être capable de viser comme ça. Et la passer tout côté, après elle a pas campé, elle a marché. C'est merveilleux. Et nous, ouais, question de avion, de guerre, etc. Le gars d'un sous-marin qui est capable de sauter là en Amérique pour aller en Asie, il n'a pas perdu contrôle côté le Brali. N'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire. Alléluia. Nous, pour un avion, pour passer avec hauteur ça, en altitude ça, son bagage extraordinaire. Eh bien, Frère Maxime, amis, qui t'aime dit non? Faut que nous attendons que, avec l'imago Dei, c'est-à-dire l'image de Dieu qui est dans l'homme, c'est vrai, cette image a été affectée par le péché originel, définitivement, mais li pas enlevé, li pas déplacé, nous capables de faire pile bagaille. L'homme capable de faire pile bagaille parce que bon Dieu, bah non intelligence. Mais qui t'aime nous, tout ça nous, ouais, nous fait, l'homme fait, la question de science, c'est pas ça qui est plus grande découverte là. Je me souviens de lire dans un livre de science, côté que auteur l'a dit, il a posé la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Et en pile, et l'idée continue pour le dire, en pile, moun kwe que nous seuls, mais il y a en pile, moun tout, en pile, moun qui croit que nous pas seuls dans l'univers. Cependant, c'est plus gros découverte que nous t'a remis fait un jour, parce que en pile, moun dit qu'il y a un être qui existait. C'est la plus grande découverte que nous t'a fait le jour que nous t'a arrivé. Découvrir dans l'espace. Alors que cette grande découverte, il a déjà, il est parmi nous, il est avec nous. Et apôtre Jean te dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons mangé avec lui. Et m'invitez à aller dans Jean, chapitre 1, verset 35 à 45. Et là, nous parlons de découverte. Et Naboué, pour qui ça, c'est la plus grande découverte. Jean, chapitre 1, verset 35 à 45. Moi, invitez-nous, prends Bible pour nous lire ensemble avec moi. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu.
Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux, des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Parole du Seigneur. Et pour nous capables de parler de cette découverte, nous ne pouvons pas expliquer tout le texte là, mais nous gagnons le verbe trouver. Le verbe trouver. Well, qui cité deux fois là. Oui. Au moins deux fois, là, il dit nous avons trouvé le Messie, c'est une découverte. Et c'est la plus grande découverte. Ouais. Donc, nous écoutons que Jean-Baptiste a commencé dans le ministère prêché et l'a baptisé. Il voulait demander, mais dis-nous, est-ce qu'on est prophète? Est-ce qu'on est Messie? Jean-Baptiste voulait dire non, je ne suis pas prophète là, je ne suis pas Messie. Mais le dit Jean-Baptiste, mais dis-nous, parce que soit baptisé, dis-nous pour nous bagailler. Et bien Jean-Baptiste dit moi-même, moi c'est mon qui devant mon ça. Et moi-même, moi pas connais. Il est parmi nous. Et Jean pourrait dire plus tard, et bien tu as baptisé, c'est pour me révéler, c'est pour me faire mon découverte ça. Parce que les Juifs attendaient cette découverte. Les Juifs cherchaient cette découverte. Et nous-mêmes qui aux États-Unis, qui avions très juifs, les Juifs, ce qu'on appelle orthodoxes, ils attendent toujours cette découverte. Bien entendu, ça a été fait déjà. Mais dans leur ignorance, ils attendent toujours. Parce que notre tête, mais et juif yo, nan promesse bon Dieu, c'est que bon Dieu te promet yo la voye yon Messie, la voye yon moun. Et bien, yon tap cherchil. Well, yon tap cherchil. Et bien, yon te découvril, disciple, yon te découvril là. Yon te découvril plus grande découverte. Mais qui ça fait? Pour qui ça c'est la plus grande découverte? Pour qui ça c'est pas Jeff Bezos qui possède des milliards de dollars? Hein? Bill Gates, pour qui ça c'est pas sa plus grande découverte? Pour qui ça c'est pas aller dans l'espace? Peut-être qui ça c'est pas téléphone? Peut-être qui ça c'est pas laptop? Ah, frère Maxime, on nous garde dans ensemble des implications qui fait c'est la plus grande découverte. Première implication, ça a gagné. On nous garde dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Victime expiatoire. C'est à cause de cette victime, Jésus-Christ, qui fait péché nous pardonner.
Péché a effacé parce que dans l'Ancien Testament, tu as gagné bête pour te offrir, ça te couvrit péché a. Mais avec cette découverte, la plus grande découverte, en connaissant, en acceptant Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Donc, notre péché, le péché passé a été pardonné, nos péchés présents sont pardonnés et nos péchés futurs sont pardonnés. Et c'est ça à peu près que j'ai dit. Le chapitre 1 dit, si nous confessons nos péchés, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, plus grand bagage qu'un monde capable de jouer sur la terre, c'est pardon, péché. Ce n'est pas posséder des milliards de dollars. Ce n'est pas posséder Mais un téléphone. Ce n'est pas posséder l'argent. Parce que gen madame, gen téléphone, gen luxe, gen voiture, n'a quitté ici. Et yo, c'est bagay qui passager. Li pa pi grande découverte. Aller dans l'espace. Ce n'est pas ça. C'est rencontrer avec Jésus-Christ. Non seulement péché nous pardonner, mais nous avons la vie éternelle. Li dit dans Jean 3, verset 16, nous converser. Il dit clair, car Dieu a tant aimé le monde, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie, ce n'est pas une quantité de vie, c'est pour une quantité, c'est-à-dire ou pas qu'à compter, ou pas qu'à énumérer. Ou pas qu'à dénombrer, ou pas qu'à dire si c'est milliards d'années. Alors, il y en a qui milliardaires possèdent 200 milliards de dollars, qu'à compter. Même les tapants possèdent 100 milliards de dollars, qu'à dire qu'ils possèdent 100 milliards de dollars. Mais un monde qui est chrétien, un monde qui a accepté Jésus-Christ, est-ce qu'il qu'à compter ça, le posséder? Chrétien, pas qu'à dire non, pas qu'à exprimer le non. Nous pas qu'à dire c'est milliards d'années liées. Nous pas qu'à dire c'est des trilliards, des trillions. Nous ne sommes pas capables de dire ça. Et c'est une relation que nous joignons dans Jean 17, le verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Donc, cette vie éternelle, c'est une relation en connaissant Jésus-Christ, ouais, en acceptant Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Il n'est pas dit, nous aurons la vie éternelle, mais nous avons la vie éternelle. La même vérité. Il dit dans Jean 3, verset 36, là, moun qui connaît petit la gen la vie éternelle, moun qui pas connaît la colère de Dieu demeure sur lui éternellement. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est la base de notre espérance. C'est la base de notre foi. C'est la base de notre contentement, de notre joie. C'est pas vivre aux États-Unis, en France, Canada, c'est pas faire un pile voyage, c'est pas avoir une connaissance théologique, c'est pas aller dans l'université, c'est pas avoir un diplôme, c'est pas avoir une licence, c'est pas avoir un master, c'est pas avoir un doctorat, c'est pas la plus grande découverte. Mais la plus grande découverte, c'est avoir Jésus-Christ dans notre vie, c'est avoir la vie éternelle. Et frères et sœurs, pas un monde qui est riche, pas un monde qui est chrétien. Dans beaucoup de cas, nous qu'on a réfléchi parce que nous pas gon machine, parce que nous pas gon caille, parce que nous pas gon opportunité. Ah, parfois nous gen doit triste pour ça. Et bien bon Dieu garde nous le dire. Regarde comment tu es stupide. En plus fois nous ca frustré pour un bagage que nous pas gagné sur terre, nous sentons pas à l'aise. Mais bon Dieu dans sa grâce garde nous comme stupide, nous pas comprendre. Parce que ce que nous possédons en tant que don, en tant que bien, ce n'est pas un bagage qu'on peut compter. Ou pas un comptable humain capable de compter. Non. Parce que le plus grand bagage, c'est que le péché est pardonné et nous avons la vie éternelle. Et ensuite, il dit tout, nous vivons une nouvelle création dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, nous avons une autre vie. Une autre façon de vivre, notre cosmovision est changée, notre manière de penser est changée, notre manière d'agir est changée. Il y a nous qu'on maltraite le monde, mais je dis, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur, nous gardons tout le monde comme monde, parce que nous gagnons
ça qui est important dans la vie, nous. Et qui te me dit, Frère Maxime, ce n'est pas un bagage que nous sommes capables de perdre si nous avons la vie éternelle. L'autre implication qui ça le dit, il ne dit pas de condamnation pour celui ou ceux. Celui qui a fait cette découverte, qui a accepté cette découverte comme la vérité absolue. Car il est dit en Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'autre implication, monde qui fait découverte, qui a accepté Christ là, pas gain aucune condamnation. Ça veut dire, Satan pas qu'à venir pour le condamner. Famille n'a pas qu'à condamner. Personne monde pas capable de condamner. Personne pas capable de dire l'offin de la vie éternelle ça côté que li ka condamner, li ka mettre une malédiction. Et ça fait un chrétien pas capable de vivre dans la peur du diable, dans la crainte de Satan. Un chrétien capable pas ignorer le destin Satan, méchanceté Satan qu'a fait, mais un petit bon Dieu pas capable de faire un rêve pour Satan venir dire la manger, pour diable dire l'eau, il m'a détruit, pour diable dire m'a voué dans l'enfer. Non, parce que Jésus-Christ, parole bon Dieu clair, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et non seulement dans Romain, Jésus même avec propre bouche parle dit, parce que dans Jean chapitre 10, bon, nous allons regarder. Qui ça lui dit? Dans Jean chapitre 10, Jésus parle la même vérité. Il dit, verset 28, je leur donne la vie éternelle, c'est-à-dire ces brebis, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Attendez bien, je leur donne la vie éternelle, leur représenter les brebis de Jésus-Christ. Mon qui a accepté Christ, il dit, elles ne périront jamais. Ça veut dire que brebis ça n'est jamais pas innocent. Jamais pas innocent. Verset 29 l'a dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça veut dire que le nous accepter Jésus-Christ, nous avons fait cette découverte. Ce n'est pas dehors, bon Dieu, la guenou. Ce n'est pas dans la rue, oui, bon Dieu, la guenou. C'est dans la plamel. Ouais, c'est dans la plamel. Bon Dieu, kembe nous. Et bon Dieu, puis grand passe toute bagaille. Personne ne peut retirer nous. Non, mais bon Dieu. Et pour nous donner encore dans Romain 8 là. Dans Romain 8 là, qui ça le dit? Paul continue pour le dire. Qui accusera les élus de Dieu? Verset 33, c'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui, verset 37, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Ou le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit le verset 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38 et 39 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère Maxime, c'est pour nous faire que nous contents, parce que nous faisons plus grande découverte là, et cette grande découverte, nous avons péché, nous avons pardonné. Nous avons la vie éternelle.
nous vivons une nouvelle créature. Pas de colère, bon Dieu. Pas de jugement. Pas de condamnation pour nous. Et la dernière vérité, c'est que pas de rien qui est capable de retirer nous dans la découverte ça. Qui est capable de prendre nous, qui est capable de retirer nous. Parce que les nous finis sauvés, nous vivons comme les gens qui sauvés. Nous avons preuve que nous sommes les gens qui sont petits, bon Dieu. Nous montrer que nous sommes les gens qui ont la vie éternelle, façon à réagir dans la société avec les gens qui sont à côté de nous, avec semblables nous, les gens qui réagissent dans le travail, là, dans la société, les gens qui comportent nous, les gens qui comprennent les gens, les gens qui combattent, les gens qui vivent avec cette espérance. Eh bien, bon Dieu dans nous, Christ dans nous, le Saint-Esprit dans nous. Mes amis, nous capables de vivre dans aux États-Unis, dans un pays plus ou moins de sécurité, c'est pas crime qui bagain qui pas même genre avec Haïti. Mais qui te me dire ou connaît y a un monde qui capable de vivre dans un milieu plus que qu'il est toujours dans un pays plus mal que Haïti. Peut-être qu'on ne sait pas de gens qu'on a fait téléphone, il pas qu'on avion, il pas qu'on est allé dans sous-marin, il pas qu'on est laptop, il pas qu'on ordinateur, il pas qu'on est on sait de grands bagailles. Mais qui t'aime dire si président États-Unis, Joe Biden, Donald Trump, Obama, si on pas mettre la foi en Jésus-Christ, nèg qui gagne gros millions, ou connaît monde ça qui pas gagne tout gros bagage mais qui met la foi là Christ qui accepte cette découverte ou qu'on est le plus heureux li c'est lui même qui milliardaire que nous pas jamais ka nous pas ka compter nous pas ka di ça le posséder ou qu'on c'est monde ça qui heureux. Donc si un monde dans le monde qui t'a pour pi content qui t'a pour pi en joie c'est moi même avec ou frère Maxime parce que nous avons fait la plus grande découverte. Nous avons accepté que cette découverte est absolue et la vérité. Et à travers cette découverte, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons la vie éternelle, qui sont qualités de vie, une relation éternelle avec Dieu, que nous ne pouvons jamais raconter. Et nous ne pouvons jamais finir d'exprimer l'amour, la grandeur de Dieu, qui nous a rachetés. Et qui nous a donner cette opportunité, ce privilège d'être enfant de Dieu pour l'éternité. Oui, Frère Maxime, amis mieux, capitaine de nous gagnons la vie éternelle. Non, petit bon Dieu, à qui c'est plus grande découverte là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde ce matin. Amen, amen. Gloire à Dieu.